va commencer par la lecture de l'ordre du jour. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption du procès-verbal de la séance qui s'est tenue le 28 janvier dernier. 3. Adoption du procès-verbal du comité consultatif urbaniste. 4. Dérogation mineure. 5. Aide financière. 6. Divers. 7. Varia. 8. Période d'intervention des membres du conseil. 9. Prochaine séance du conseil d'arrondissement. 10. Période de questions du public. Et 11. Levée de la séance. Alors, j'avais proposé l'ordre du jour. OK. La seconde. Alors, on va procéder à l'adoption du haut point 2, l'adoption du procès-verbal de la séance qui s'est tenue le 28 janvier. Nous avons des corrections. Oui, c'est ça. Oui. Que monsieur, on va laisser M. Croteau nous les... Okay. L'avis de motion qui a été donné pour le chemin Saint-Louis, puis l'adoption du premier projet qui avait été fait pour le chemin Saint-Louis, ça va être annulé complètement. Après ça, dans les dons, parce que c'est reporté à ultérieurement, là, l'histoire du chemin Saint-Louis. Ça, c'était les mini-maisons, ouais, okay, hein, M. Charest. Je voulais justement qu'on explique c'était quoi le projet. C'était les mini-maisons. OK. Après ça, celui du don qui avait été fait à l'Université du Québec à Chicoutimi, ça va être changé pour l'APEC. C'était une correction, ça. J'ai pas de pourquoi, moi. On me donne les corrections, là. Fait que, mais je sais qu'il y a une correction à faire. Oui. L'Association professionnelle d'éco-conseils du Québec. Oui. Plutôt que l'Université du Québec à Chicoutimi pour un des dons, là. C'est ça. OK. Qui était de 200 $, oui. OK. Alors, je vais sinon, proposer. Il est conforme. Parfait. Okay. Alors, je propose. Tu vas seconder. Je pense que M. Simard, il y en a qui ne peut pas. Je pense qu'il est absent. Non? Ah oui, c'est vrai, je ne peux pas. Oui, c'est ça, je vais le proposer. Non, ça n'a pas d'importance. Non, ça n'a pas d'importance. Non, parce que c'est une décision du conseil. Lui, il fait juste proposer, mais le conseil est complet puis il répond à la proposition. Ah, okay. Fait que c'est légal, il n'y a pas de problème. Alors, au point 3, comité consultatif, on parle du procès verbal, il n'y a pas de correction. Alors, ça me prend un proposeur. Je vais me proposer. Martin, je seconde. Oui. Au point 4, dérogation mineure dans l'arrondissement de la baie. Alors, on va demander à M. Simard, Rénal, de nous expliquer les points. Ce qu'on va faire, M. Simard, on va les nommer une par une. Puis à chacune des points, on va demander s'il y a des questions par rapport au public. Okay, et à la fin, on les adoptera en bloc. OK, d'accord. Okay? Super. Pas de problème. OK, donc, on a 4 dérogations mineures au total. Donc, la première dérogation est pour la propriété du 1762 à 1764 Avenue du Port, qui demande une dérogation mineure visant à réduire de 0,6 à 0,24 la distance entre le garage détaché et la ligne arrière du terrain. Alors, au point 4.1, est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires parmi le public à propos de cette dérogation? Non? Parfait. La deuxième dérogation est pour le 1183 rue Elzéard Boivin, qui demande une dérogation mineure visant la construction d'un garage détaché en cour latérale avec un retrait de 0,19 mètres au lieu de 5 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal. Est-ce qu'il y en a parmi le public qui ont des questions par rapport à cette dérogation mineure? Non? OK, on va passer au troisième. La troisième dérogation vise la propriété au 3772 chemin Saint-Joseph, demande une dérogation mineure visant la réduction de distance entre la ligne arrière du lot existant, soit de réduire de 10 à 6,8 mètres la distance entre la ligne arrière du lot et l'agrandissement projeté du bâtiment agricole. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à cette dérogation? Non? On passe au quatrième. La quatrième et dernière est pour la propriété du 3753 chemin Saint-Joseph, demande une dérogation mineure visant à permettre la construction d'un garage détaché en cour arrière, dont la hauteur va excéder de 0,78 mètres la hauteur du bâtiment principal du 3753 chemin Saint-Joseph. Donc, le garage va être plus haut de 0,78 mètres du bâtiment que le bâtiment principal. OK, parfait. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport au public, des commentaires? Non, OK. Alors, on va procéder à la proposition. On propose ça? Oui, en bloc, on avait dit. On hein? va proposer oui. en bloc. On va le seconder. Je propose. Au point 5, alors on a les aides financières.
Alors, on a le raid du Fjord, un montant de 500 $. On a le club de curling de Port-Alfred, un montant de 550 $. On a la fondation de dotation santé de Jonquière, un montant de 400 $. Le tournoi amateur féminin de la baie, 300 $. Les chevaliers de colon du conseil de la baie, 27,62, un montant de 125 $. Le club Kiwanis de la baie, un montant de 540 $. OTJ de Petit-Saguenay, je pense, M. Martin, c'est un tournoi qui a... C'est un tournoi pour la Coupe des entreprises, dont des entreprises de la baie. Okay. Un montant de 300 $ pour ça. Et la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Édouard, un montant de 1250 $. Je vais proposer le... Secondaire. Secondaire. Merci. Alors, au point 6.1... c'est les organismes autorisés à tenir une collecte de fonds ponctuelle sur les voies publiques dans l'arrondissement de la baie. Alors, au début de chaque année, on a les demandes, puis cette année, on en accorde, il y en a trois qui ont fait leurs demandes pour être capables de faire des collectes de fonds dans les rues de notre arrondissement. Cette année, il y a la Société canadienne du cancer, la Dystrophie musculaire Canada et la Maison des soins palliatifs. Alors, je vais proposer... La dystrophie musculaire, est-ce que c'était pas en analyse encore? Parce que je regarde là, dans nos documents, c'était marqué accepté, mais nous autres, il n'y avait rien d'accepté. Oui. Ce que je pense que M. Côté m'en a parlé, c'était que il y avait la Fondation d'hôpital qui s'associait avec Jonquière pour faire un front commun pour être capable de faire ça dans les. Un seul point commun pour ces organismes-là. Là. Mais c'est accepté, là, nous autres. Mais c'est vrai que c'est marqué refusé, premièrement. C'est refusé à Jonquière. Mm-hmm. C'est ça. OK. Ça veut dire que la fondation de l'hôpital va être avec la dystrophie musculaire, ouais, c'est bien ça? C'est ça, exact. OK. Alors, on va passer au point... Ça prendra un secondaire. Ah, je vais juste... C'est beau. Alors, au point 6, divers organismes autorisés, on vient de le faire. 6.2, commission des travaux publics. Alors, on va demander à M. Harvey de nous expliquer les deux points qu'on a à discuter ici. Oui, c'était tout d'abord, c'est que la Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés recommande au conseil d'arrondissement de la baie d'ajouter des panneaux d'arrêt multisens à l'intersection des rues Despins et Gingras. Ensuite de ça, c'est que la Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés recommande au conseil d'arrondissement de la baie de ne pas modifier la limite de vitesse sur le chemin des chutes. Ça veut dire que ça ne sera pas modifié. Parce que c'était de 70 à 60, M. Simon? Oui, en fait, ça, c'est une demande d'un citoyen depuis plusieurs années qui était sur la tablette, puis qu'en fin de compte, on a eu une réponse. OK. Alors, je vais le proposer. Secondaire. Second. Période d'intervention des membres du conseil. Alors, on va commencer par M. Hervé ou M. Simard. Ça me dérange pas. On commence par M. Simard. OK. Moi, je veux juste revenir sur la signature des registres parce qu'il y a beaucoup d'interrogations. Il y a beaucoup de monde qui m'envoie des courriels puis qui m'appelle à savoir, qui pense que aller signer le registre signifie qu'on encourage le projet. C'est pas le cas. OK? C'est pas le cas. C'est que si vous allez pour signer le registre, ça veut dire que vous vous opposez au projet. Comme vous avez vu, c'est une nouvelle politique que Saguenay a établie, c'est-à-dire que tous les projets de 10 millions et plus maintenant seront soumis à une signature de registre dans les trois arrondissements. Vous avez certainement vu que nous autres à la baie, c'est les galeries de la baie qui est notre centre de signature. Donc, juste pour aviser les gens que si vous êtes pour le projet de la bibliothèque, de ne pas vous déplacer pour aller signer le registre. C'était mon intervention. Gervais? Oui. Tout d'abord, je voudrais inviter les gens en fin de semaine. C'est le carnaval des glaces du village de pêche de Grande-Baie. Les activités, c'est en date du 29 février, c'est-à-dire samedi, de 10h à 16h. Il va y avoir des kiosques, il va y avoir de l'ambiance d'animation, il va y avoir de l'initiation sur la glace. Il va y avoir aussi des traîneaux à chiens. Il va y avoir des chasses au trésor pour les jeunes. Il va y avoir un anneau de glace. Il va y avoir du fat bag, du maquillage pour les enfants. Il va y avoir des compteurs autour du feu. Il va y avoir des jeux gonflables. Il va y avoir un concours de 6 golden d'art et des courses de long ski.
Il va y avoir des jeux de fer à cheval à partir de 13h. Il va y avoir des jeux de poche à partir de 13h45. Il va y avoir un concours de bras de fer avec prix à partir de 15h et plus. L'entrée des véhicules, c'est 5$. Le stationnement sont limités. On demande aux gens d'arriver tôt. L'entrée est gratuite à pied, en motoneige et en quad. Fait que j'invite tous les gens à venir participer au carnaval du village de la Pêche Blanche du secteur Grande Baie. Ça va être samedi, le 29 février. Alors, pour moi, ce qui est de mes interventions, cette année, il y a la première édition du Raid du Fjord. Le Raid du Fjord, c'est une activité de fat bike de 35 km. Ils ont 115 participants. Ça va avoir lieu samedi, le 29 février. Puis c'est un événement de plus de notre arrondissement qu'on encourage d'ailleurs avec les dons qu'on a parlé tout à l'heure. C'est la première édition, alors ça se passe samedi. Si vous voulez voir ça, c'est sûr, en partie, c'est sur les glaces que ça se passe. La deuxième intervention, c'est qu'en fin de semaine, on a eu le Festifret organisé conjointement avec la Corporation du Centre-Ville et Contact Nature, que je tiens à les féliciter, parce que c'était un succès sur toute la ligne. Et ce qu'on a su aujourd'hui, c'est que le spectacle qu'il y a eu samedi, c'est la plus grosse foule qu'ils ont eue depuis que l'Agora existe samedi en fin de semaine. Évidemment, il a fait beau, ça l'a aidé, mais c'est un succès sur toute la ligne. Alors, je tiens à féliciter les deux organismes. C'était mon intervention. On va passer au point 9, prochaine séance du conseil. La prochaine séance du conseil d'arrondissement de la baie aura lieu le 24 mars, ici même à la salle polyvalente de la bibliothèque. 24 mars, non, pas de ressources. Alors, on va passer aux périodes de questions du public. S'il y en a qui ont des questions, vous présentez au micro, vous présentez et vous nous expliquez votre question. Bonjour, Marc Boivin, Ville-l'Abbé. C'est au sujet du transport en commun. Monsieur Marc Peterson, conseiller de Chicoutimi-Nord, à la radio, il a dit qu'il allait avoir un couloir sur le boulevard Talbot à partir probablement de l'hôpital à aller jusqu'au Club Presse, prioriser le transport en commun, les autobus. Ce qui veut dire que les autos n'auraient pas le droit de circuler sur cette partie-là. Sur le couloir, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je m'intéresse aux trois échevins, particulièrement M. Harvey, je pense qu'il est sur le conseil. Premièrement, là, monsieur, il y a une étude qui est faite. Ce n'est pas la première fois. Là, ici, on n'invente pas la roue. Ça se fait déjà ailleurs à Québec et tout. Là, il regarde la manière qu'on pourrait faire pour partir avec des autobus, partir d'en haut à Yokosuka et descendre en bas. Puis ça, essayer d'éviter les lumières. Vous savez, au niveau des véhicules d'urgence, déjà, ça se fait avec les véhicules pompiers. Eux ont des... qui vont changer la lumière, puis justement, pour perdre de vitesse, puis ensuite de ça, parce que c'est des gros véhicules. Là, on est en train d'étudier ça. C'est encore à l'étude, puis on espère qu'on va avoir une solution pour accommoder les gens. Mais pourquoi? Il n'y a pas de problème, le transport des autobus présentement. C'est pas une question qu'il n'y a pas de problème, monsieur, c'est qu'on essaye de désengorger le bas. OK? Si les gens en haut sont capables de parquer leur voiture, ben ça fait moins d'achalandage en bas, puis on sera au niveau du CIUS. Je ne sais pas si vous voyez le stationnement au niveau de l'hôpital. C'est plein partout autour du chemin. Fait que là, on essaye de désengorger, on essaye de donner un service, puis en même temps, ben ça empêche qu'il y ait moins de voitures qui circulent. Puis les gens circulent en autobus. Puis tout ça va avec l'aménagement de stationnement incitatif. Absolument. Aussi. Là. Ouais. Pardon? Ça va avec l'aménagement de stationnement incitatif aussi. Là. Ça veut dire que tu peux stationner ton auto, exemple, en haut chez Costco, puis descendre dans le centre-ville en bas en autobus. Mais vous pensez que le monde va faire ça? Là? Parce que présentement, moi, je me promène tous les jours de Saint-Saguenay à des heures différentes. Le parking de l'hôpital est plein, les employés sont au travail, l'université, les étudiants sont au travail, puis le boulevard Talbot, les trois voies sont pleines. Présentement. Comment tu situes la route des autobus? Puis les autobus, quand je les suis, là, du côté droit, là, puis ils font tout le stop au débarcadère, ils roulent dans le bon sens, puis ils retardent personne, puis ils ne se retardent pas eux de même. Je comprends pas pourquoi mettre un corridor qu'on dit que ailleurs ça se fait. Ailleurs, ça se fait, tu vas à Québec, la voie de droite est tout le temps bouchée, pas bouchée sur les boulevards. Tu vois un autobus aux 15 minutes, les voies de gauche, c'est jamais à grandeur. Mais je ne sais pas si, monsieur, c'est sûr que vous avez le temps de vous promener, vous êtes aperçu qu'il y a beaucoup de trafic dans le chemin. J'ai le temps de me promener, il me promène. Mais c'est ça, c'est vous qui venez de le dire, là. Que vous avez aperçu qu'il y a beaucoup de trafic. Mais quand vous allez à Québec, là, vous allez vous apercevoir aussi que dans les véhicules ou les autobus, les véhicules qui sont complètement électriques, on le doit d'utiliser aussi le passage.
C'est ça, c'est de l'accommodement qu'on fait. C'est sûr que là, on regarde des possibilités. Puis si c'est faisable, ben, on va voir jusqu'où ça va aller. Mais là, présentement, on regarde des possibilités. Puis avec les années qui s'en viennent, ben il faut regarder qu'il y ait moins de voitures. Puis les gens, écoute, ce que c'est qu'on essaie de prôner, c'est que les gens prennent l'autobus, puis que les gens aient du stationnement en haut, puis qu'on soit capable de désengorger le bas. C'est, le but, c'est ça. Désengorger le bas. L'hôpital de Chicoutimi, les gens, il y a des employés à peu près, maintenant, c'est 30% de la main. 30% des employés, ils se stationnent là, même peut-être tous les employés. Mais la plupart de la clientèle, c'est des gens âgés ou des enfants qui sont accompagnés par un membre de leur famille pour aller à l'hôpital. Les gens âgés, là, bien souvent, c'est les enfants qui sont dans la classe moyenne, qui se prennent des congés, ils vont en auto. Ils n'iront pas se stationner, puis faire débarquer le parent avec des marchettes, puis rembarquer dans l'autobus, puis faire deux, trois débarquages. Puis quand l'autobus va arriver à l'hôpital, qu'elle va se parquer. Moi, quand j'y vais à l'hôpital, là, je suis parqué dans le fond, ça me prend 5 minutes de marche, puis je suis en fond. Là, ils vont, là, présentement, là, les gens qui vont à l'hôpital avec leurs enfants, avec leurs parents, ils débarquent l'enfant à la porte de la clinique externe. Après ça, ils vont se stationner parce que c'est souvent loin. Puis les parkings des employés et des médecins, c'est pas les médecins qui vont prendre des autobus. Là. Les médecins, c'est tous des parkings réservés. Quand même qu'on videra ça, là, tu ne seras pas capable de parquer pareil. Monsieur, après ça, quand on va, les gens vont magasiner. Moi, bien souvent, je me promène là, pour vérifier ce qui se dit dans les conseils de ville et tout. Je me dis, ça se peut-tu des fois, ils ont-tu raison? Ben, en tout cas, je fais une vérification. Je passe dans mes magasins à Place du Royaume, bien qu'à la fête d'être chamé dans le trafic, puis à n'importe quelle heure. Ben, je me dis, oh, on n'ira pas là, on n'ira pas chez Walmart, on n'ira pas chez Costco, on ne sera plus capable de revenir. Puis après de ça, si le monde va prendre l'autobus, on va aller magasiner à Place du Royaume, quand tu as des paquets. En tout cas, moi, je me demande pourquoi on se compare tout le temps aux villes quand on a des systèmes qui fonctionnent, mais il faut qu'on réinvente la roue pour se compliquer la vie. On dirait là, qu'on est. Comme Mark Peterson, là, on dirait qu'il a échappé. Là. Ça fait deux fois que je l'entendais, celle-là. Mais là, à la radio, il m'a dit qu'ils l'ont interviewé là-dessus. Ben, je ne sais pas s'il l'a interviewé, après, il manque un bout. Là. Mais il dit hein, encore une histoire. Il dit là. Puis l'hiver, le boulevard Talbot est très mal gratté. Ça tombe à 2,5 voies. Là, les autobus, mon ami, là, tout le monde va se ramasser dans 2 voies. Puis ça va être le même trafic parce que c'est congestionné à la journée longue. Même si on dit que c'est pour désengorger. Mais votre question, c'est quoi, là? Mais je vous ai donné une réponse, là. Ça ne vous satisfait pas, mais la réponse, c'est ça. Non, mais je veux dire, ça va être implanté quoi? C'est sûr. Non, monsieur, on fait l'étude. On fait l'étude, point. On veut voir jusqu'où ça va aller. Et M. Boivin, le fait qu'il y ait des autobus puis des stationnements incitatifs, peut-être qu'il y a plus d'infirmières qui vont prendre l'autobus pour se rendre à l'hôpital. Donc, il va y avoir plus de stationnement pour les gens à l'hôpital. Si les infirmières prennent ou les infirmiers ils prennent leur voiture, aller jusqu'à chez Costco, puis ils prennent l'autobus, ça va libérer des places de stationnement. Okay. À Ville-Saint-Denis, il va y avoir plus de monde qui travaille à la ville qui vont prendre l'autobus, je ne sais pas. Oui, c'est sûr. Ouais. Alors, comme Martin, moi, je connais des gens, monsieur, là, qu'ils font, qui prennent leur retour, là, parce que quelqu'un qui sont stationnés, là, souvent après le travail, ils ont un rendez-vous sur un spécialiste. Il faut qu'il aille chercher l'enfant à l'école. Là, tu vas remonter le boulevard de Talbot au complet pour aller te parquer en haut puis voyager. Puis c'est un transport incitatif gratuit, mais ça ne restera pas gratuit longtemps. Ça veut dire que quand les gens, là, s'il n'y a pas d'économie puis ça n'a pas de bon sens, ils ne prendront pas. Puis c'est pas des boulevards à 5 voies. Là. On n'est pas aux États-Unis. Là. C'est 3 voies, on tombe à 2 voies. C'est déjà congestionné. C'est déjà. Comme Martin dit, c'est à l'étude. Ça, là. Ouais. Peut-être c'est pas que je suis pour et contre, mais la population n'a pas l'air au courant de ces questions. Monsieur. Ce que c'est que vous posez là comme question, le CIUS nous a fait des demandes aussi parce qu'ils ont des problèmes pour le personnel en bas. C'est, écoute, c'est, puis je vous comprends, mais tabarouette, il faut essayer de trouver une solution. Puis si la solution ne fait pas, bon, on ne le fera pas. Mais là, présentement, on essaie de trouver des alternatives, si on est capable, les autres, de faire stationner ou bien qu'on soit capable de désengorger le bas, puis qu'on ait plus de place pour les clients qui vont à l'hôpital. Parce que vous avez une problématique, c'est une roue qui tourne, puis je vous comprends très bien. Mais là, présentement, on regarde des possibilités de. Bien, moi, je veux que la population parle, parce que c'est vrai que ça vous dérange quand des gens viennent parler au micro pour dire qu'ils sont relativement, que ça n'a pas de bon sens. Mais c'est pour que le monde se réveille, parce qu'on élit des gens qui pensent qu'ils vont travailler dans le bon sens, mais là, on dirait qu'on est parti un peu avec les projets. Oui, tu sais, je veux dire, moi, j'ai confiance en mon échevin, confiance en vous, mais ça fait comme, faire une voie réservée aux autobus...
Vous trouvez que c'est quoi? C'est de l'argent? Les suites d'autobus, là, les autobus, monsieur, ils sont vides. Ouais, là, monsieur, là, je vous ai donné une réponse. Puis là, présentement, c'est ça. OK, mais après ça, on va voir. Là, je ne veux pas dire que ça va se faire demain, mais je vous ai dit, c'est quelque chose qu'on s'en allait. Si on n'en parle pas, là, ça va. Le monde ben, va dire, le monde ne s'oppose pas, ça va bien, on va passer ça. La fille, comme les pompiers, vous disiez qu'ils ont déjà le système, qui sont capables de synchroniser les lumières pour eux autres. Mais là, l'autobus, aux 15 minutes, là, ça veut dire que le trajet nord-sud du Costco, ça veut dire qu'aux 15 minutes, là, le chauffeur d'autobus, dans un autobus avec son pitonneux, ah ouais, on synchronise les lumières. Ça veut dire que les rues transversales, boulevard Université, boulevard des Champs-Élysées, c'est de rate jamais, t'es capable de virer à gauche. Imaginez-vous, tu vois rien que pour passer du monde. Monsieur, vous m'avez posé une question, vous avez donné une réponse, puis vous êtes déjà essayé de trouver des inconvénients. Écoutez, on va laisser faire l'étude, puis on va voir. Puis vous avez raison, de nous nous poser des questions, mais présentement, je vous dis où c'est rendu. Oui, mais vous dites, il faut que les citoyens s'impliquent. Ah, il n'y a pas de problème. Parce qu'il ne faut pas arriver ici, puis se faire revirer de bord. On leur dire, hey, arrêtez de poser des questions. On pose des questions parce que, je dis encore à nous, les citoyens. Un autre patent, il dit il dit, on ne pose pas. Il dit, j'ai le temps de partir en voyage, est-ce qu'il va aller me reposer ailleurs? Mais prenez garde au coronavirus, allez pas trop loin. De toute façon, je suis en train de me demander, il n'y a pas plus de monde qui a la grippe en hiver. Je suis en train de me demander, je ne suis pas en train de faire écraser l'économie avec ça. Bon. Excusez-moi, c'est un problème. Il n'y a pas de problème. Mais je vous dis, c'est présentement, c'est ça. Là. Parce que la mémoire des gens, là, c'est 3 mois. Dans 3 mois, on a tout oublié ce qui s'est dit au conseil. Ça veut dire qu'on ne se souvient pas, mais la fille d'autobus a le couloir, là. C'est pas pour travailler pour que ça se fasse, c'est travailler que ça reste comme c'est là. L'autobus, là, il y en a plein. Même de ça, ils respectent tellement leurs heures que bien souvent, ils sont au club presse à attendre parce qu'ils ont de l'avance sur le circuit. Vous comprenez? Oui. Pas besoin de dire que les autos retardent les autobus. Moi, des fois, j'en suis une au complet pour voir Talbot en descendant. Il embarque 3 personnes. L'autobus, ça en a 40 places. Puis c'est tout le temps de main. Mm-hmm. Puis ils ne prennent pas ces heures de pointe, là, c'est tout le temps de main. Puis, les gens prennent l'auto. C'est pas quoi ils veulent prendre l'auto. Ils voyagent le parent et le grand-parent. Quand tu vas à l'hôpital, tu le vois que le monde est assis, les cancéreux, ils sont tout accompagnés, tout le monde. Ils ont besoin de soins. Commencez pas à me promener dans un autobus, moi, là, à voyager. Puis, en tout cas. Merci beaucoup. Bonjour. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient intervenir, poser des questions? Et mon cahier, là. René Desgagnés. Une autre question, M. Harville, concernant, là, justement, la STS. Là. Allez-y. Stationnement incitatif, il y en avait un en arrière de Plasma Vie. Il y a une secousse. En arrière du Plasma? Plasma Vie. Ouais. Ils en ont fait un et ils ont loué un espace, puis tout ça. D'après moi, ça n'a pas été rentable. Là, présentement, je sais qu'il est encore là. Mais par contre... Non, il est arrêté. Mais je pense qu'ils ont autorisé encore, mais là, ils regardent d'autres choses. Mais là, c'est là qu'on en est. Mais en passant, au point de vue des hôpitaux, ils ont déjà un stationnement en haut de Talbot, qui est un minibus qui voyage les employés. Mais ça prend des pauses spéciales pour aller stationner là. Il est où, les employés? Où en haut de Talbot? Je ne sais pas, la bâtisse, sur le coin de la lumière, il y a une bâtisse. Par rapport au centre d'achat, disons, là? Non. Plus bas que ça? Avant, un petit peu plus haut que le carrefour giratoire. OK. Il y a un stationnement. L'ancienne université, peut-être? C'est pas le au CIUS, là, où sont les bureaux? Non. Non, ça, c'est un autre bâtisse, ça. OK. Du côté pas gauche, l'ancienne école? Montant. L'école, non. C'est Jarco, je pense. C'est dans le même coin. OK. Bien, je l'ai fait, le voyage des employés, là. OK. Mais ça prenait un poste spécial. C'est des minibus qui se voyagent? Oui. Okay. Oui, puis ça existe encore. Mais c'est officiel que l'espace est restreint. C'est officiel que, est-ce que tu dis que le stationnement incitatif, c'est gratuit? Ça va être gratuit, ça, pour les gens qui vont stationner là? Oui. Oui. C'est parfait. Parce que là, en plus, l'hôpital, ils disent qu'avec l'agrandissement du bloc opératoire, qu'elle a enlevé encore peut-être en 200-300 stationnements encore. On n'entend plus parler de ça. Bien, c'est revenu. Là, C'est encore dans d'un cahier, ça. Oui. Bon, M. Éric, oui. À votre tour. Mon tour. Oui. Moi, je vais parler à 2 reprises. Au 3 septembre et au 26 de novembre, pour l'avenue du port ici, avec la 6e rue, puis l'autre côté, Bagotte, puis 6e rue, au point de vue de la traverse pétonnière. Où est-ce qu'il est rendu, le dossier?
C'est Renal, c'est dans ton coin, ça? On a fait la demande, hein, je pense. Pour la traverse piétonnière, non. Pour la traverse piétonnière d'avenue du Port et le pont entre le pont Tour-Richard, c'est ça? Oui, exactement. La sixième pour traverser au pont. Là, ouais. Ben, c'est-à-dire traverser d'une rive à l'autre, autrement dit. Là, c'est ça? Traverser à l'avenue du Port. Oui. Mais y a un marquage sur pavage qui est là? C'est pas. Il n'y a c'est... pas de piton, monsieur. Non, OK. OK, je parle des okay. C'est pas, oui, ça, vous avez entièrement raison. Plus, c'est pas une traverse sécurisée. En plus, il y a une bretelle. C'est pas une traverse sécurisée. Hein, c'est pas sécurisé. Moi, je trouve pas ça sécurisé. J'ai encore vu une vanne enfilée l'autre jour, là. Arrivait d'un alentour du Jean Coutu, dans la côte, passant en vent. Elle était sa verte à changer la lumière. Il n'y avait pas de temps de breaker. Il a pris la bretelle, puis il est rentré dans le... Mais pensez-vous que c'est vraiment le piton qui aurait fait la différence d'une situation comme ça? Quand il y a un piton et qu'il y a quatre personnes traversent, il bloque les lumières, de tous les sens. Là, la traverse, quand la lumière est verte, tu peux traverser avec le bonhomme. Mais va donc, tu peux traverser avec le bonhomme, ouais. Un, il y a une bretelle, que ça, vous seriez capable de le corriger, parce qu'il y a un transit plus bas, là, pour les vannes, là. Oui. L'autre sujet, enlevez-la, mais mettez-la rien que pour le local. Je vois pas parce que c'est pas fait l'avenue du pont. Ils ont ôté le Saint-Jean-Baptiste pour envoyer les vannes là, mais le pont n'était pas pour les vannes. Là, ce qu'on peut vous dire là-dessus, c'est que justement, M. Côté nous a interpellés aujourd'hui à cause de ça. Il va avoir ils nous ont demandé des places où on ne veut pas que les camions passent. Puis on a donné, entre autres, le pont Claude-Richard. Il y a une nouvelle étude. Il va y avoir une nouvelle... Bon, mais ça fait depuis le mois de septembre que j'ai posé cette question-là. C'est long, mais on finit toujours par... J'espère que ça va arriver avant la fin de mandat. Ça devrait. Le déneigement. J'ai posé la question au mois de septembre aussi. J'ai été de bonheur, pourtant... C'est quoi le critère de la rue Saint-Anislos en haut? C'est si on A, BB ou AB? Il souffre ses terrains. Il souffre ses terrains? Je vais vous poser la question, je n'ai jamais eu de réponse encore. Moi, j'avais fait la demande. Puis la semaine prochaine, on a justement une rencontre sur le... politique de neigement. La politique de déneigement, puis c'est là qu'on va en parler. Là. L'année passée, je n'avais parlé, mais... Mais cette année, tu n'avais pas parlé avant séance, avant l'hiver. Pourtant, je m'étais pris de bonheur, puis je n'avais pas eu de réponse. Mais je pense Ils sont venus souffler. La politique, c'est aux deux ans, c'est ça? Le 4 février, je les ai filmés. Puis je ne suis pas sûr que je n'ai pas eu du harcèlement par les autres. Par qui? Par les employés. Parce que j'ai filmé, j'ai traversé l'autre bord, j'ai filmé. Puis quand je filmais, il y a un camion qui descendait, puis il m'a carré en avant, puis il a pris que là, pour pas que je filme. J'ai eu des bouts, puis je pourrais te le prouver, ça. Lorsque je suis allé mais que je trouve drôle, laisse-moi finir, que je trouve drôle, j'arrive à séance tantôt, puis ils sont en train de dégager un stationnement, ils cèdent l'autre bord, là. C'est-tu pour Grégory Charles? Parce que c'est lui qui vient 7 dollars. Tu parles du parking? Oui, oui, le parking en face de la ville, là, pour le palais municipal. Oui. Comment de voyages qu'ils ont fait pour enlever cet abus de neige-là. Puis ça prendra un truc quand tu passes chez nous que je m'ostine à tous les ans que j'ai rien que de la marde que j'ai sur mon terrain. J'ai coupé mon épinette ce printemps à cause qu'ils me l'ont fini, la ville. Puis mon boulot, là, il va être pareil. Saviez, vous pouvez faire une réclamation pour ça? On en fait des réclamations. Je demande de dégager la ville pour le déneigement. Vous le faites pas, vous soufflez sur le terrain. Mais tu sais que si la rue est trop large, ben ratisse la rue, puis fais un trottoir. Tu veux des solutions, je vais t'en donner. Mais oui, je comprends. Comme je vous dis, la politique, là, elle est déjà faite. Là, on va en avoir on a une rencontre la semaine prochaine pour la politique du déneigement. Là, on va en parler encore. Moi, je l'avais demandé l'année passée de votre coin, là. De prendre la rue Saint-Saint-Jean, mais faire au moins le rond où ce que vous êtes, parce que M. Autiste, là, qui avait des problèmes d'eau qui rentrait. Ils sont venus le dégager hier avec une pépine puis un camion. S'il avait soufflé correctement l'autre jour, il n'aurait pas eu à se déplacer une autre fois.
Oui, mais ça, on appelle ça une urgence. Ça, c'est ce que j'ai compris hier, il a fait une urgence. Oui. Mais une urgence, ils ont fait un camion, il aurait fallu qu'ils enlèvent un autre, mais il n'y avait pas le temps. Je ne sais pas s'il n'y avait pas le temps, là, mais ouais. En tout cas, ils ont... Puis lorsqu'on a, j'ai parlé avec votre voisin, qu'on va faire, je vais faire dégager le puisard aussi qui est à côté de son... Il n'y avait pas le temps de le dégager hier. Oui, bien, c'est ce qu'il m'a dit, là. C'est ça. Au point de vue des dons, des aides, puis tout ça, là, que j'ai vu dans le procès-verbal, je vois le chevalier de Colomb, puis 600 $, le botimiste, puis souper des caves, puis tout ça, 880 $. Oui. Y a-t-il des gens qui participent de la ville là-dessus? Oui. Ou c'est rien que des billets, mais personne n'y va? Non, on a, quand on prend des montants comme ça, on prend une table. Là. On y va, tous les six, je peux pas toujours y aller. Ouais. Mais quand je peux pas y aller, on invite la mairesse. La dernière fois, on a invité la mairesse, mais c'est au des moins, gens... on paye, mais il y a des gens qui y vont. C'est ça. Mais quand vous y allez pas, vous faites quoi avec les billets? On les donne à des gens qui y vont. Non, mais moi, ce que je fais, je les donne à Nancy Simard, puis c'est elle qui choisit à qui elle les donne. Non? Mais habituellement, le principe des billets dans des soupers comme ça, c'est qu'on achète une paire de billets, l'abbé, pour la mairesse et son conjoint. Puis le reste des billets, c'est pour nous autres. Une table de 8. Pour des représentants. Mais moi, le souper des cas, les billets, c'est au moins 100 piastres. C'était 100 piastres. C'est pour ça, c'est 8 billets. Oui, 8 billets. En c'est, après ça, il me semble, dans le temps, c'était 100. Aujourd'hui, c'est 110. Moi, je pense que c'est 110 $, je pense. Vous êtes dedans. Il ne faut pas oublier que ces soupers-là, c'est des soupers bénéfices. Là. C'est qu'après oui, ça, eux autres, ils peuvent faire. Ça, je le comprends. Mais vous voulez savoir, les billets, est-ce qu'ils produisent avec des gens... Ou quand vous les en savez pas, s'il y a des autres gens qui... Il y a ce qu'on s'est fait dire par le contentieux, c'est qu'on n'a pas le droit de donner des billets. Mettons que j'aurais 4 billets, j'aurais pas le droit de les donner à mon frère. Ce qu'on peut faire, c'est des tirages ou quelque chose comme ça. Là. Mais on n'a pas le droit de donner directement des billets à... C'est une politique qu'on a à la ville. Oui, souvent, moi, je les remets à des organismes communautaires. C'est ça. L'année passée, on avait fait ça. On avait donné nos billets. Moi, j'avais donné Saint-Vincent-de-Paul. Vous avez donné moi un contact. La maison des familles, des choses comme ça. Ou ça peut donner certains privilèges pour... Une autre question, M. Simard. Ça me fait plaisir. J'ai posé à l'automne une question concernant sur le quai qui avait... la passoire, là, il était brisé à quelque part, un endroit, là, pas loin du restaurant, du fjord. Là. Le bistrot du fjord. Le bistrot du fjord. Il n'a pas été réparé. Là, vous me parlez du mur? Oui, du mur. Du mur, bien, écoutez, c'est des travaux. Je pense, M. Côté va pouvoir répondre. Ouais. Il y a 600 000 au budget. Oui. Je pense que les travaux sont en réalisation de plein. On attend un CA du ministère de l'Environnement. Ça devrait se faire cet automne. Oui, mais écoutez... Quand on demande un CA à l'environnement, on sait quand est-ce qu'on le dépose, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on a la réponse. Exactement pour le même, on a déposé un CA de l'environnement pour le projet du site de la console. On n'a pas eu de réponse encore non plus. C'est un peu eux autres qui dirigent la barque quand on lui demande des CA d'environnement. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, M. Desgagnons. Merci. Il y en a d'autres qui voudraient intervenir? Non? Alors, on va procéder à la levée de la séance. Proposer. Proposer.